Il y a pas mal de choses qui sont pas autorisées quand même aussi ailleurs. Vous pouvez respecter quand même, on a une... Bien sûr, on respecte. Mais moi, ça m'intéresse aussi de voir. Si vous pouvez nous attendre dehors, qu'on puisse faire notre visite. Et à Saint-Pierre-de-Colombier, le chantier qui reprend, on en reparle ou pas? C'est pas le moment de parler de choses comme ça. Mais c'est jamais le moment parce que la basilique, elle va se faire. Pardonnez-moi, mais c'est pas tout. Bonjour, moi je suis venue à l'invitation du président de la communauté de communes pour voir les projets réalisés et les projets à venir, fabriqués. Je vous souhaite le soutien de l'État. Ce sont des sujets que nous sommes en train de discuter là. J'ai été informée hier soir qu'il y avait effectivement du mouvement sur le terrain de la famille missionnaire à Saint-Pierre-de-Colombier. J'ai demandé aux gendarmes de me rendre le compte. J'attends leur compte rendu. Et à ce moment-là, il sera potentiellement temps pour moi d'agir si effectivement cette agitation va à l'encontre de l'arrêté préfectoral. C'est évident. Et à ce stade, je n'ai pas d'informations à vous transmettre, donc ce n'est pas la peine. Mais nous, on a plein de perturber nos... Ils sont en train de violer votre arrêté, donc... Ça n'est pas la peine donc, de venir perturber nos échanges, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, vous me demandez les choses gentiment avec le sourire, je vous répondrai gentiment avec le sourire. Mais oui, très merci bien. À vous. Merci. Merci. Là, sur le boulodrome de septembre à juin. L'été, vous courez sur les places de village avec les projets et les animations dans tous les villages. Vous vous entendez à la meilleure d'entre vous. On vous met l'équipement à disposition gratuitement. Par contre, on n'est pas en train de parler. Qu'ils avaient constaté un remplacement des barrières. Oui, c'est vraiment là une création de nouvelles barrières. C'est un nouveau chantier. C'est pas le renforcement ou la sécurisation. Moi, j'attends ce que les gens vont dire. Je peux pas vous répondre. Vous envoyez des photos quand même ? Bien sûr. Mais c'était juste une information que je vous donnais. C'est vraiment un nouveau chantier qui est en train de se réaliser sur le site et qui sont en train de rouler sur les espèces en question. Comment peuvent-ils faire un inventaire des espèces si, à cette époque-là, le 22 mai, il y a eu une détérioration? Ah oui, mais je vous ai dit que je n'avais pas d'éléments pour vous répondre, donc je ne répondrai pas à votre question. Voilà. Et bien, du coup, je vous donne les éléments-là, et c'est vraiment important de savoir que ce n'est pas la sécurisation du site, comme il est stipulé dans l'arrêté préfectoral, c'est le nouveau chantier. Il n'est pas autorisé, donc j'ai obligé d'arrêter. Et les gendarmes nous ont dit que c'est contraventionnel. Ils encourent une contravention de 150 euros, alors que là, on est bien sur un délit de violation de l'arrêté. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'éléments pour répondre, donc je n'ai pas vous répondre. Moi, j'ai besoin d'avoir le rapport des gendarmes, qui ont fourni des photos, peut-être que l'ONG se sera diligentée sur les lieux. À ce stade, je n'ai rien. Oui, oui. Mais voilà, je vous donne juste ces infos, et en fait, c'est que depuis le début de ce dossier, on... Et quand les gendarmes nous répondent à côté, voilà, c'est pour faire passer un peu les devants. Après, les gendarmes vous répondent, ils ont à répondre en fonction des éléments qu'ils ont pour recueillir. Voilà. Si vous les interpellez de la manière dont vous interpellez, ça ne m'étonne pas qu'ils vous fassent cette... Non, pas du tout. Mais on s'était déjà rencontrés. Pas de là, hein, mais... Ben non, mais en fait, reste. C'est que c'est un peu... Enfin, je vous ai déjà dit d'ailleurs cette année. Enfin, vous savez...
bien sûr. Forme est au service du fond. Bien sûr, mais si vous faites comme ça, vous comprenez bien que moi, ça me ferme les oreilles tout de suite. C'est évident, c'est humain. Oui, mais les personnes qui prennent le vrai chemin, qui prennent la voie légale en prenant rendez-vous avec vous, etc., etc., ils arrivent à faire des choses dans la vie, comme la famille missionnaire, qui prend les voies légales, et les personnes en costard ne disent rien. Vous l'avez remarqué, d'abord j'ai fait ça. Ensuite, vous aurez remarqué quand même que j'ai pris un invité qui justement est venu suspendre les travaux à partir des éléments qui ont été portés à ma connaissance. Et qui ont été portés à ma connaissance avec sérénité et dans les formes. Mais c'est exactement ce que je fais là maintenant, j'entends pas. Mais là non, je suis désolée parce que là j'étais en visite tranquillement pour parler des on est à 10 minutes, c'était l'occasion. Pour parler des projets de la communauté de communes, ça n'est pas un projet de la communauté de communes. On pourrait se poser la question. C'est un projet qui va impacter quand même fortement le territoire. C'est réalisable. Vous comprenez bien, c'est pas correct vis-à-vis de M. le Président, qui m'a invité très sympathiquement à visiter, encore une fois, des projets qu'il a pu mettre en œuvre grâce au financement de l'État. Et donc c'était intéressant pour moi, parce que c'est important de voir à quoi servent les crédits que nous octroyons aux collectivités. Et puis il voulait me présenter des projets d'avenir qu'il porte. Moi, je suis venue pour ça. Je ne suis pas venue pour autre chose. Simplement une chose, madame. Si ce projet devait arriver à son terme, l'État donnerait plus d'argent que ce qu'elle en a donné à la communauté de communes. Ah bon ? Oui, et les crédits d'impôt, 67% défiscalisables. Vous vous rendez compte ? Ce sera 20-30 millions. Vous entendez bien qu'on n'en est absolument pas là. Non. Oui, mais parce qu'on est là aussi. Oui, mais